prix. Prometrium vous est offert par Organon. Au Salon national de l'habitation, peu importe ton projet, tout se fait. Oh, un douche frais en cristal dans ma cuisine, ça se fait? Ça se fait. Une douche multisensorielle pour 4 personnes? Ah oui, ça se fait. Une chute d'eau dans mon salon. Audacieux, mais ça se fait. Au Salon national de l'habitation, présenté par Remax, 10 au 13 mars, au Palais des Congrès. OK, mais un patio, hein? Carole, tout se fait. Achetez vos billets en ligne et économisez 2 $. Commandité par l'OACIQ. Connaissez-vous téléquébec.tv? Allez-y pour regarder Passez le mot. Vous allez capoter. Ce sont des capsules sur des mots et des expressions d'ici à notre couleur. Comme calvaire, patate, brunante, quétaine. On est fiers de ces mots-là. Retenez ça. Le français comme je l'aime.téléquébec.tv. Même si vous êtes marabout, ça donne carrément le goût frenchy et d'en jaser. Allez! Le français comme je l'aime.téléquébec.tv. Et oubliez pas de passer le mot. Maintenant, chez Wendy's, vous pouvez avoir 3 lanières de poulet blanc classique faites à 100% de poulet blanc pour seulement 4 $. Essayez-les avec notre nouvelle trempette ranch au piment fantôme, seulement jusqu'au 20 mars. Au restaurant Wendy's participant, taxe en sus. Beneva, c'est plus qu'un nouveau joueur en assurance auto et habitation. C'est aussi du ben bon monde. Comme Dave qui a rappelé son client superstitieux à 11h11 pour lui faire plaisir. Comme Luce qui chuchote à sa cliente qui revient du spa. Comme Alain qui rappe les détails du contrat d'un client amateur de rap. Bref, avec du bon monde de même, vous êtes bien assurés. Pour vos assurances auto et habitation, comparez-nous. Ça vaut le coup. Beneva. Le Méli-Mélo est de retour chez Dormez-vous avec les combinaisons parfaites de produits, peu importe votre façon de dormir. Alors que vous dormiez en cuillère, en étoile ou un mélange de tout ça, nos experts en sommeil vous aideront à trouver les essentiels du sommeil qu'il vous faut. En ce moment, obtenez un matelas Grand Lit Beauty Rest à seulement 629 $. Conçu avec une technologie de ressort en sachet de pointe, vous obtenez le soutien durable nécessaire pour un sommeil réparateur. L'offre se termine dimanche, seulement chez Dormez-vous. Dormez bien. Portez-vous bien. Dormez-vous. Enfin, on peut voyager! Bentley est la destination de choix pour la plus grande sélection de valises, sacs à main, sacs à dos et accessoires au Canada. Économisez de 25 à 40 sur nos collections sélectionnées. ShopBentley.com pour le magasin le plus près. Là, on est ailleurs. Mais ça, là, ça serait splendide chez nous. C'est sûr, c'est du Vaillancourt. 75 ans de savoir-faire québécois. Signé Vaillancourt, porte et fenêtre. Toujours le mix parfait. Le meilleur des années 80-90 à aujourd'hui. Salut, c'est Marie-Ève. Tantôt, 8h30, identifiez le son mystère avec mon amie Julie et gagnez un minimum de 7 000 $, le concours le plus payant à Montréal. 105-7. Dernier survol de l'actualité en ce 8 mars. Et Stéphane, nouvelle quand même inquiétante, là, des coups de feu qui ont été entendus et tirés à Terrebonne. Oui, des coups de feu là, qui ont été tirés sur un immeuble à condo de Terrebonne. La scène s'est déroulée aux alentours de minuit au cours de la nuit, donc dans le secteur Lachenay. Les coups de feu auraient été tirés à partir d'un véhicule en mouvement. Il n'y a pas de blessés, on rassure tout le monde et l'enquête policière se poursuit. Guerre en Ukraine, bien sûr. Nouvelle tentative de mise en place de couloirs humanitaires en Ukraine aujourd'hui, notamment du côté de Soumy, où un bombardement a fait 21 morts hier, selon un nouveau bilan. À Mariupol, entre-temps, les autorités ukrainiennes accusent Moscou de ne pas respecter le couloir humanitaire. Et via sa page Facebook, bien, le ministère ukrainien de la Défense a affirmé que les Russes avaient lancé une attaque exactement en direction du couloir humanitaire et que l'armée russe n'avait pas laissé les enfants, les femmes et les personnes âgées quitter la ville. En terminant, je vous souhaite de passer un excellent mardi et surtout une bonne journée internationale des femmes, mesdames. Absolument, merci. Alex, je te sens vouloir, merci Stéphane, vouloir rectifier le tir pour... C'est les droits des femmes, des droits des femmes. Très bien. C'est merci. Ça la journée aujourd'hui en ce 8 mars. Bon mardi matin, puis merci de nous choisir de passer cette matinée parmi tant d'autres à déjeuner avec nous autres. Sous quel ciel ça se passe, Marie-Ève? Hey Pat, on a perdu 1 degré, puis là, on a un avertissement de poudrerie basse. Il fait moins 5. Attention sur les routes. Poudrerie basse? Oui, ça veut dire qu'elle n'est pas haute. Ah, d'accord. OK. C'est bon. Au niveau de la chaussée. Merci. Super. Et attention sur la route en ce moment, vous pouvez avoir la poudrerie d'un pneu, c'est ce que je comprends. C'est drôle parce que c'est, elle m'a dit un super, mais qui voulait dire ta gueule. Oh, mais oui, attends. C'est ce que ça voulait dire. J'ai OK, c'est la bon. Même chose. Il va faire plus chaud cet après-midi, 1 degré, mais là, j'attire votre attention, mercredi, jeudi, gros soleil, 3 degrés, faites ça fondre, je déménage dans 20 jours. Oh, hey,
Salutations à la gang de coiffeurs Arsène à Saint-Hubert qui nous écoute pendant qu'ils travaillent. Voyage croisière Varennes sur Marie-Victorin à Varennes. Et finalement, bumper to bumper sur l'autoroute Laval à Laval. Bumper to bumper. C'est en direct des studios de Rythme FM. Une nouvelle qui attire mon attention, mais surtout qui devrait attirer l'attention de Marie-Christine. Oh. Une étude est sortie ce week-end, très inquiétante, qui dit que l'alcool ferait fondre la taille du cerveau. J'ai vu ça. Belaye. Mais là, attention, on a c'est pas vrai. Longtemps. Je parle pour toi. On l'a su en écoutant les 10 mois pro, mais on l'a toujours su depuis longtemps aussi. Que c'est pas bon, hein, la matière grise peut diminuer dans notre boîte crânienne pour ceux qui étaient alcooliques. Mais là, de nouvelles études sortent, Marie-Christine, pour démontrer que ça existe aussi pour les petits buveurs. Tu sais, tout le temps, moi, je bois juste la fête de semaine. Tu es une petite buveuse? Moi, j'ai un forfait bronze. Bon, ben, c'est aussi pire pour toi, Mathieu. Ah, ouais. Ça peut jouer sur notre cerveau. Fait que donc, Pat, t'es le seul ici qui va s'en sortir indemne. C'est bien pour dire. On n'aurait pas misé fort là-dessus. C'est... Non. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est pas sur toi que j'aurais parlé. C'est le fameux préjugé négatif qu'on appelle. Voilà. Hey, regarde ce que t'as dit tantôt. Super. Isabelle Prince, 11007, qui veut souhaiter une bonne journée internationale des droits de la femme à toutes ses collègues chauffeurs d'autobus de toutes sociétés de transport confondues, qui est un milieu encore majoritairement masculin. Ben, Isabelle, ton message est lancé. Et parlant de la Journée internationale des droits des femmes, mesdames, Marie-Ève et Marie-Christine. On vous a tracé un portrait. C'est quoi être une femme en 2022, peu importe l'âge. Vous allez voir, c'est compliqué, messieurs. Ben, vous nous l'expliquez tout de suite après Anastasia. I'm out of love. Yeah, arrête, 1057. Montez le son. Il fait un gros soleil pendant qu'il y a de la poudrerie d'un chute. Bah, c'est ce que j'ai retenu. Au niveau de la malléole, Alex, c'est là que ça se passe. Yeah.